Coucou les loulous. Je sais, on voit pas, je sais. Je sais. Ah, oh, mais tellement chaud. Bienvenue dans un nouveau vlog. Il fait très très chaud. Je pense que tout le monde voit ça. Il fait très très chaud, c'est compliqué, j'en peux plus. Mais rien du tout. Mais j'ai même pas ouvert de vlog. On est déjà mercredi. Vous avez vu qu'aujourd'hui je me suis maquillée avec des blancs. Du blanc, du blanc dans mes yeux. On va ouvrir deux colis ensemble. Mais on va aller en bas parce que là, je crève de chaud. Et vu que c'est des vêtements à essayer, je ne suis pas prête. Allez, on se retrouve en bas. Ça fait du bien. C'est moins joli. On est un peu en contre-jour. Ok, je te l'avouerai. On est moins... On est un peu moins bien, mais au moins, je vais pas avoir chaud. Ce qui est bien quand t'as une maison en pierre, c'est qu'il fait 25,3 degrés dans la baraque. Franchement... Ça va, on est plutôt pas mal. Donc les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Désolée pour le contre-jour, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin, j'espère que ça va pas être trop chiant pour vous. Ouais, bon, ça, je pense, j'espère que ça va le faire. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il fait chaud. On n'a pas l'habitude de ça. Petit bilan de quoi? Petit bilan de comment ça va. Au niveau des douleurs, je suis contente. J'ai même pas pris mon cachet ce matin, je suis contente parce que j'ai plus mal. C'est vrai que hier, j'ai pas pensé de la journée. Donc ça, c'est cool. C'est grave cool de plus avoir mal. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des examens et tout. Je pense que si ça me reprend ce mal-être au thorax, je ferai des examens un peu plus poussés, tu vois, du style cardiologue, tout ça. C'est ce que m'ont conseillé de faire mes potes et je me dis que ça peut être une bonne idée. Voilà, si ça reprend. Quoi d'autre? J'ai été du coup du matin là, ça y est, j'ai fini, je suis en repos demain et après-demain. Donc alors vous voyez ce vlog, du coup c'est mercredi et jeudi et vendredi, donc c'est cool. Et du coup je travaille samedi, dimanche et blablabla, blablabla. Donc c'est cool. Je vous ai pas pris du tout parce que voilà, maison, boulot, dodo. Non mais je vous ai pas pris du tout parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire, rien de fifou. Mais du coup voilà, j'ai pas pris le temps de vous parler, j'avais pas grand chose à dire et puis voilà, j'ai pas parlé pour parler. Truc de ouf, truc de ouf. Hier j'ai reçu un message qui me disait que j'allais être bientôt en tendance YouTube. Je regarde le truc, on m'a renvoyé un lien et tout, je regarde le truc, je lis vite fait de travers et tout. Et aujourd'hui je reçois un mail qui me dit que je suis en tendance YouTube. Et c'est vrai que quand tu vas dans le petit machin, enfin c'est pour 24 heures, hein, tu vas dans le petit onglet et tu cliques le petit onglet, BAM, qui tu vois. Attendez, j'ai fait une impression écran, mais franchement c'est du double, tu vois. Enfin, je sais pas comment ça se passe les tendances YouTube, mais moi j'étais, voilà, tendance YouTube. C'est moi. Donc voilà, c'est ouf. J'ai pas du tout regardé. Je vais regarder en live les abonnés, les machins, le truc. Mais je sais pas si ça va me faire monter les stats ou je sais pas, gagner des abonnés. Même si c'est le but. 80, tu vois, à 685, ouais, j'en ai gagné 7. C'est pas un truc de ouf, tu vois. Ouais, mais c'est quand même un truc de malade que ma vidéo soit en tendance YouTube, tu vois. Alors je sais pas si les gens vont beaucoup danser dans cet onglet là, mais voilà. Bon, en tout cas c'est cool. Je voulais ouvrir avec vous, deux colis. Alors le deuxième c'est un partenariat Chine, donc on va essayer des vêtements, c'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est un petit peu une ouverture de colis, et moi je me dis que ce serait sympa, étant donné que j'ai pas grand chose à vous dire et tout, je me dis que ce serait cool d'ouvrir des colis ensemble. Et le deuxième c'est Perle qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle crée sa boutique de bougies et de... Alors là je vous le dis tout de suite, hein, je suis arrivée il y a 5 minutes, je suis pas posée, j'ai pas préparé mon truc, blablabli blablabla. Et tu me dis, ah mais tu devrais, on reste éclairageux. Mais voilà, je suis pas posée, je suis... Enfin voilà, j'y vais casse pistache, tu vois. Donc Perle, j'avais déjà fait une vidéo avec elle sur nos indispensables actions, si je dis pas de bêtises, j'essaierai de vous mettre la vidéo à la fin de ce vlog. Et elle m'a contactée il y a pas longtemps pour me dire voilà qu'elle avait ouvert sa boutique de création artisanale de bougies, mais pas que. Il y a aussi des comment ça s'appelle, les petites pastilles que tu mets dans les réchauds, tu sais, pour que ça sente bon chez toi. Et ça tombe bien de ouf. Donc elle me dit, est-ce que ça te dirait de recevoir des choses et que tu en parles dans une vidéo? Mais carrément de ouf, tu vois. Donc elle m'a envoyé le colis que je n'ai pas du tout ouvert, on va ouvrir ensemble.
Et ça tombe super bien parce que moi, je sais pas si je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, mais il y a une odeur persistante de pisse de chat dans ma baraque, sachant que, ah, je suis glamour, hein, sachant que la litière est propre, tout ça, j'ai, la dernière fois j'ai fait mon petit chien, j'étais comme ça, en train d'humer partout dans la baraque, j'ai absolument pas trouvé où était cette pisse de chat, tu vois, donc ça me gonfle, si vous avez une technique secrète, alors je crois qu'il y a une histoire de technique secrète avec les lumières bleues, tu vois, et ben ça m'intéresse. Bref, j'ouvre son colis, c'est un énorme colis, de ouf. Alors ça s'appelle Odélis parfumée. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et elle va essayer d'avoir non, c'est trop mignon. Elle va essayer d'avoir un code promo sur sa boutique pour pouvoir en bénéficier. Donc checker la barre d'infos. Odélis parfumée, cire végétale de soja européenne et parfum de grâce, mèche en coton pré-ciré, contenant en matériaux recyclés, ça c'est top. Bougie et fondant unique, voilà, c'est des fondants, moi que je savais pas. Bougie et fondant unique, coulé à la main, à Saint-Seurin-de-Bourg, dans le 33, j'aime trop ce département, par la créatrice Jennifer. Alors, fragrances en cire. Les fragrances sont conçues et sélectionnées à grâce pour leur qualité olfactive. Elles sont garanties sans CMR, sans phtalate et sans matière animale. La cire de soja est garantie sans OGM et sans pesticides. Elle est 100% biodégradable et naturelle. De plus, elle n'émet aucune substance toxique. Ça, c'est top pour les animaux et pour les êtres humains et pour les enfants. Oui, un humain est un être, un enfant est un être humain, ok. Sans substance toxique et garantie donc un environnement sain. Enfin, cette cire n'est pas testée sur les animaux et est donc certifié cruelty free. Donc ça c'est le petit mot de la marque. Et Jennifer me met coucou pute, j'espère que tu vas bien. Ça va. Voici un petit colis, bah il est gros ton colis, pour te faire découvrir mes créations parfumées. Ce n'est qu'un petit panel de ce que l'on propose, de ce que je propose et des nouveautés arrivent prochainement. J'espère que ça te plaira. À bientôt, Jennifer alias Perle. J'aime trop le gros colis. C'est un gros colis, oh c'est trop mignon. Un gros colis des familles, super bien emballé et tout. C'est trop chou. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Et même, c'est trop cool, cute. Donc elle m'a mis des fondants comme ça. Regardez-moi comme c'est mignon. C'est pas trop mignon ça. Des petits papillons, des petites miracles, des petites coccinelles. Hop, des petits trucs là pour le miel. C'est trop chou, petit escargot. C'est trop mignon, c'est super mignon. Et là du coup, hop, des petites étoiles, les petits. C'est trop chou. C'est trop mignon. Hop, je vais sentir ça, moi. J'allais dire, je trouve ça un peu débile, les filles qui s'y sentent, parce que du coup, vous sentez rien, tu vois, mais obligé de sentir. Ça sent le bonbon. Ah! Rhum vieilli. Oh, du rhum. Je trouve que ça sent le bonbon, moi. Rhum vieilli, j'adore. Derrière, c'est marqué. Ouais, ça sent super. Ah oui, c'est vrai que le rhum, tu le sens un petit peu après. Il y a petite explication là. Là c'est bubble gum fraise. Celui qui est comme ceci. Ah oui. Ça sent de ouf. Le bubble gum que tu avais en rouleau, tu sais, le rouleau là. Ça sent tellement ça. T'as géré de fou, hein. Ça sent ça de ouf. Ça sent super bon. J'adore de ouf. Alors, elle m'a mis une poudre parfumée linge frais. Pardon. Alors, saupoudrez 2 cuillères à café sur vos sols, tapis, textiles. Aspirez le tout. Laissez la poudre dans votre sac ou dans votre aspirateur. À chaque passage. Ok, trop bien. À chaque passage, du coup, ça sent bon. Trop bien. C'est linge frais. C'est nickel. Ça, tu vois, c'est bien pour faire partir les odeurs persistantes dans la baraque. Ouh, ça sent super bon. Ça sent la lessive, en fait. Ça sent super bon de ouf. Trop bien. Ça, je vais tester directement dans mon aspirateur. J'aime trop. Je m'en mets beaucoup de choses par contre. Hein. C'est pas bien ça. Alors, elle m'en a mis d'autres. Oh, c'est trop joli. La fille qui voit rien. Des petites, enfin, petites abeilles et tout. Regardez-moi comme c'est mignon. C'est trop chou. Alors, je vais sentir et après je vais. Et les petits emballages sont super sympas. Je vais humer et après je vais voir ce que je sens. Et là, le linge frais, j'ai encore dans le nez. Quoique je suis nulle pour les jeux. C'est comme ça. Ça sent bon, ça sent genre le miel, je crois. Enfin, pas le miel, la vanille, ouais, c'est ça. Ça sent super bon. Ça sent super bon de ouf. Ouais, c'est la vanille. Je suis nulle. Hein. Pour les trucs, les autres odeurs, là, j'ai acheté un jeu pour mes enfants. Je suis nulle à liège.
Mirage. Il y a plein de choses. Petit papier de soie des familles. Hop, oh, tu m'as mis trop de trucs. Anti-tabac tropical. Nickel. Bah, franchement, tu déchires parce que c'est super mignon là. Trop trop mignon. Je vais pas tout sentir non plus, mais. Bon, anti-tabac, de toute façon, ça sent pas grand chose. Linge frais. Franchement, tu déchires. N'hésitez pas à checker en barre d'infos et tout parce que je trouve ça cool en fait que. Bah, déjà, je trouve ça cool de base que les gens fassent leur entreprise et je trouve ça encore plus cool si c'est des abonnés, tu vois. Ça sent super bon ça, c'est quoi? Linge frais, bah oui. Donc là, c'est des espèces de petits cannelés. Comme ceci. Franchement, tu gères. Hop. Alors, j'ai une tablette comme ceci, parfum vanille. Donc la même senteur que l'autre. Franchement, je kiffe. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais faire des choses pour genre pour Halloween, pour Noël, pour les amoureux, tu vois. Fleur d'oranger. Oui, c'est ouf. J'ai essayé. Ça sent super bon. Petit cannelé comme ça. Oh, j'adore. J'adore. Bubble gum fraise, donc ça va être comme les autres. C'est super sympa ce que tu fais. Parfum violette. C'est. Hop, comme ça. Carrément le sirop à la violette. Mustela. Oh, parfum petit bébé, quoi. Oh oui! Ah, tu gères! Tellement. Oh, c'est ma vie. Ah, ça. Et ça, je vais t'en recommander. Mustela. C'est ma vie. Morito! Avec des petits citrons comme ça. Je kiffe. Ah, franchement, tu gères de ouf et tout. C'est trop mignon que tu prennes les petits trucs, tu les mets dans les. Un petit sachet. Morito, ouais. Mais il manque les glaçons. Morito, carrément. Carrément. Alors, celui-là, c'est anti-moustique. Trop bien. Comme ça, tu vois. Trop bien. On est prendre ça trop tard parce que. Ce qui est conseillé. Oh! Et des petits comme ceci, je vais être. Franchement, c'est trop mignon. C'est trop mignon de ouf. Regardez-moi ça. Toi, tu peux faire des petits coffrets naissance et surtout. Enfin, future maman, tu vois. Future maman en naissance, tout ça, même naissance. Hein. Je trouve ça super sympa. Donc, tout est bien protégé. Il y en avait un autre qui était caché. Verveine. Oh, bébé! Parfum verveine. Je sais plus ce que, à quoi. Qu'est-ce que ça sent, la verveine? La verveine, pour moi, c'est le thé, tu sais. Ça sent trop bon. Ça. Genre d'odeur qui, dans ma maison, bah, je mets ça. Et il y en avait un autre. Eh, tu m'en as mis trop. Mandarine. Gardez-moi ça, tous les petits trucs qu'elle a, tu vois. C'est trop mignon. Je pense que si tu veux une commande personnalisée, tu peux lui demander, bah, j'aimerais bien avoir telle moule avec telle odeur. Je pense que ça peut être possible, hein, pour un événement et tout. Ah, putain. Pardon. Ça sent super bon, ça sent super bon. Ça peut être sympa aussi, tu vois, pour. Plutôt que. C'est con, hein, mais plutôt que les. Tu sais, les petites dragées et tout, pour les baptêmes, tu vois, des petits trucs comme ça. Genre par exemple, hop, des petits trucs qui font un peu plus enfantin. Hop. Ceux-là, tu vois. T'en prends plusieurs après. Et ça peut être très sympa de mettre dans une petite pochette pour les baptêmes. Et là, du coup, j'ai deux. Deux. T'abuses, je devais m'en envoyer qu'une. Elle fait du coup ça et elle fait trois. Ah non, j'ai vu que j'en avais trois. Elle fait aussi des plus grandes bougies, tu vois. Donc, c'est super bien emballé. C'est super bien emballé, c'est ouf. Donc, des. Oh! C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'espère franchement que l'entreprise, elle va carburer parce que. Anti-tabac tropical. C'est parfait ça. Ah, ça sent bon en fait. Si. Ça sent l'abricot, je trouve. Enfin oui, c'est marqué tropical et moi je trouve que ça sent le danao. Le danao, tu sais, quand tu prends fruits exotiques avec abricot et tout. Ça sent super bon. Regardez-moi la petite bougie. Elle est comme ça. Hop, et attention les yeux. Elle est comme ceci. Trop mignonne, trop mignonne. Des petites paillettes et tout. Des petites... trop choupi. C'est trop mimes. Et tu peux faire tout brûler, hein, pas de soucis. Et pour information... c'est bien accroché, tu vois, parce que des fois avec les enfants et tout, ils vont penser que c'était bon mec, c'est bien accroché. Y'a aucun souci là-dessus. C'est trop mignon. Trop mignon.
Et j'ai également une plus grosse bougie. Waouh. Comme ceci. Hop. J'adore. J'ai jamais eu de bougie comme ça. Les bougies un peu en 3D. Moi j'appelle ça un petit peu en 3D. C'est super joli. Franchement. Perle, tu déchires. C'est super beau. Donc tu vois le petit souci du détail et tout. C'est super beau. Adoucissant. Oh, c'est magnifique. J'aime trop. Le petit vert et tout. Du coup, tu peux garder le petit vert. Hop. Trop joli le vert déjà. Et ça tue. Ça tue du ouf. Du coup, t'as deux mèches. Je vais l'allumer direct. C'est une bougie de mèches. Et regardez-moi l'intérieur. Tout est accroché. Voilà, comme je te dis, ça peut pas partir. Ta petite paillette. Ça sent bon. Comme ceci. Et ça sent vraiment de ouf. L'adoucissant. Je vais me la mettre direct là. Tu sais quoi, je vais faire une pause. Je vais faire une pause et je vais la faire brûler. Mais franchement, je kiffe. C'est trop beau. C'est trop joli. T'as une petite étiquette derrière. C'est trop joli. Et puis ce qui est cool, c'est que tu peux regarder le vert. Et le vert, il est super beau aussi. Je l'allume direct. Ça, c'est clair et net. Je l'allume tout de suite. Je fais une petite pause et je reviens. Parce que là, j'ai allumé la bougie. Je voulais même pas bien montrer en fait. Regardez-moi les petits détails. Il y a de la pailleta, c'est là, il y a des tout petits cœurs. T'as envie de le bouffer le truc. T'as envie de le manger. Tout petit cœur et tout. Je trouve ça super joli. Allez, je l'allume. Je kiffe. Je kiffe de ouf. Du coup, pour deuxième produit que je vais vous montrer, donc c'est une collaboration. C'est-à-dire que j'ai reçu, bon, la première j'ai reçu aussi gratuitement, mais c'est pas une marque, je me comprends. Le deuxième, c'est un colis de la marque Glow Mode. Moi, c'est comme ça que je dis, ok? Donc Glow Mode, c'est une... Vous connaissez sûrement parce que je vous en parle souvent, je suis en collaboration avec eux. C'est la marque de Chine, la marque spéciale sport de Chine. Donc ils m'ont reproposé de m'envoyer des produits dans une sélection définie. J'ai dit oui, la dernière fois je vous avais montré des produits, mais ils s'étaient trompés. Ils m'avaient tout envoyé en S, je ne fais pas un S, je fais limite un M et pas un S. Et donc du coup j'ai redemandé des articles, j'espère que vous verrez bien, est-ce qu'on dirait pas trop une sportive. Du coup j'ai demandé ce petit haut là, alors peut-être que j'aurais dû prendre en XL, mais franchement ça va, tu vois, ça va carrément, j'aime trop. Il y a des petites poches ici, donc la matière, tu vois, c'est une matière de sport. Il y a des petites manches comme ça, donc ça c'est pas mal pour aller courir. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Hop, là, t'as le petit truc là, tu sais, pour éviter de te faire mal. Tout est rose, franchement, je kiffe de ouf. Attention les yeux. Attention les yeux. J'ai aussi demandé cette brassière là. Et je la trouve super belle. Je la trouve super jolie de ouf. Elle est de cette couleur là. Donc légèrement, légèrement rose. Vraiment, vraiment, vraiment léger. Et je la trouve très, très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du dos, ça donne ça. Super joli. Ouais, je trouve ça très joli. Pourtant, j'aime pas mon dos. Mais je trouve ça très joli. Ouais, c'est légèrement, légèrement, légèrement. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais légèrement rose, tu vois. Et du coup, j'ai pris également un fuseau. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui est comme ceci. Donc, au niveau de la ceinture. Je vous baisse un petit peu. Hop là. Au niveau de la ceinture, ça donne ça. C'est légèrement, tu vois, légèrement... Hop, un petit tissu comme ça et un tissu comme ça qui remonte un petit peu plus. Mais voilà, léger, ça, bon, ça reste quand même à la taille. C'est légèrement gainant. Alors, t'es pas en mode, hey, j'en peux plus, j'arrive plus à respirer avec Jean-Jacques et tout. Il est comme ceci au niveau des pieds. Je suis belle avec, on dirait pas des... ah, ça, un sapin de Noël. C'est légèrement gainant. Quand tu mets au début, ça fait, oh, chelou. Mais t'es très très bien dedans. T'as l'impression d'avoir une certaine posture. Je sais pas comment expliquer. Et franchement, je suis grave bien dedans. J'ai également commandé, hop, commandé, je leur ai demandé également de m'envoyer le même petit haut en rose. Mais franchement, je le trouve juste trop canon en rose. Hop, mais cette fois, le même petit haut que le rose, mais cette fois en noir. Donc pareil, même système pour les petites manches. Ça, c'est bien quand tu cours dehors et qu'il fait froid. Hop, comme ceci. Peut-être que j'aurais dû prendre XL. Je pense que j'aurais dû prendre plus XL.
avec la poitrine que j'ai. Avec la poitrine que j'ai. Et voilà. Il est comme ça. Pour le bas, ça va très bien. J'ai pris L pour tout. Ouais, j'ai pris L pour tout. Le bas, ça va très bien. Mais ouais, le L peut-être XL. Après, là, tu me diras, il fait 26 degrés à la maison. Il fait un petit peu chaud, j'ai envie de te dire. Carrément chaud. Mais franchement, je kiffe. La qualité est très très bonne. Tu vois, c'est comme ceci. Au niveau de la matière. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On nous dit que c'est du L, que c'est du polyamide et de l'élastane, pour information. Hop, j'aime beaucoup. Et j'ai pris également une combinaison, comme ça. Combinaison. Ah ouais, elle est... Ok, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ce truc-là. Donc du coup, je vais essayer de ce pas. Hop, là. Heureusement que j'ai pas de miroir derrière moi, tu sais. Une fois j'avais fait ça dans une vidéo, je sais plus laquelle c'était, mais je m'étais désapée en direct en fait. Et quand j'avais envoyé à mes petites agentes, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Faut que je vous envoie un texto que je vous fais des gros bisous parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps d'envoyer. Attends, je vous montre encore un peu plus, on sait jamais. Regardez-moi ma grosse poutre qui m'a coûté 11 000 euros. Hop, ouais, j'ai pas le temps de faire vérifier moi. Mon vlog, hop, après je vous remonte le soutif, enfin la brassière, hop, j'ai bien fait de, je pense que j'ai bien fait de pas aller là-haut pour faire des essayages parce que sinon j'aurais été, mais laisse tomber, j'aurais été morte. Ce genre de combi par contre je sais pas pourquoi tu mets, peut-être pour la danse. En fait avec cette marque en fait, Glue Mode, ils ont de tout. Hop. Même si c'est un peu plus axé sur le fitness et sur la danse je trouve. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. Il faut aller faire un tour et les prix sont pas très très... C'est pas très très cher. Oh, j'ai chaud, je déteste cette moiteur là. Hop. Essaye de bien le mettre. Hop, je pense que ça va. Hop là. Du coup, ça donne ça. Hop. Combinaison, donc juste jusqu'au pied. Pour information, peut-être qu'il y en a que ça... Là, je sens plus l'effet gainant. Il est plus là. Ce matin, je me suis dit, j'ai le ventre tout plat. Là, c'est bon. Il y a une couture ici. Hop. Et il y a également une couture. Attendez, je vous montre. Ça peut être dérangeant. Enfin, il y a des gens, moi, je suis pas fan, tu vois. Une couture toute là. Hop. Et une couture ici. Hop. Pour information, tu as des coussinets. Tu as des coussinets. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau du dos, ça donne ça. Non, ça c'est sympa aussi. Mais ça, tu vois, je sais pas. Pour faire du pilates ou ce genre de choses. Bon. Ouais, carrément. Ouais, t'es grave à l'aise dedans. Et la petite brassière que je vous ai montrée. Alors, c'est pas. Voilà, c'est. Voilà du tout. Ce n'est pas une brassière pour aller courir. Hein. Attention, c'est pas un truc pour aller courir. Hein. Tu vas te défoncer la poitrine. C'est une brassière pour faire du sport, du style yoga ou ce genre de choses. Je m'entends. Et. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle est doublée, tu vois, doublée et renforcée. Et là, tu vois, c'est pas du petit, elle est coquée, autant pour moi, elle est doublée et coquée. C'est pas de la petite coque, de rien du tout, tu sais, comme ça, les trucs qui me saoulent. C'est une assez grosse coque, donc ça, c'est bien pour la poitrine. Je trouve ça super cool. Donc voilà les petites choses que j'avais à vous faire essayer. J'ai envie de te dire... Mon petit truc que je kiffe le plus, ça va être la veste, comme ceci, la veste rouge. Je trouve qu'elle est super belle et que ça me va super bien au teint. Ça pépise de ouf, je trouve. Et le petit corset et la brassière, elle est juste trop, 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 trop belle. Voilà pour les petits essayages du jour. Ah, ça m'a donné chaud. Mais j'étais en bas, donc c'est cool. En tout cas, Glue Mode, je vous remercie juste énormément pour ça. Jennifer Perle, je te remercie de ouf parce que c'est super gentil d'avoir pensé à moi pour faire la promotion de tes bougies. C'est adorable de ouf. J'ai hâte de tester tout ça. C'est plus mon chéri qui utilise les chauffe-plats, moi je suis plus bougie, tu vois, comme ça, il y en aura pour chacun, et je vous donnerai des nouvelles au fil des utilisations. Là en tout cas, la linge frais, je peux vous dire bibiche, 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 bibiche. Est-ce que Jennifer va devancer Bath & Body Works, Bath
and Body Works, je sais pas. Mais en attendant, franchement, foncez. Parce que voilà, je peux vous dire que là, j'ai jamais testé des bougies soja et tout, tu vois. Mais si j'avais testé celle de Maxime Makeup qui je trouve, n'avait pas assez embaumé. Après, c'était une bougie, une mèche. Et en tout cas, ouais, franchement, Jennifer, nickel chrome. Ça embume, embaume. Ça embaume de ouf ma pièce. Voilà. Chapeau, chapeau, chapeau bas. Et comme je vous ai dit, vous avez tous les liens en barre de description si vous voulez checker tout ça. Normalement, elle devrait me mettre en place un petit code promo. Donc ce serait cool. Mais même si elle ne me met pas de code promo, regardez, checkez en barre d'infos. Et puis voilà, c'était très 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 jolie découverte. Et j'ai hâte de tester les autres produits et je vous donnerai mon avis. S'il y a un truc que je fais waouh, c'est trop ouf, tu vois. Donc je vous donnerai mon avis dans les produits terminés. Donc voilà, mais en tout cas le linge frais, une pépite et les senteurs elles étaient à tomber. Quand ça marquait barbe à papa, enfin c'était chewing-gum à la fraise, c'est vraiment chewing-gum à la fraise. Non, c'est un truc de malade. Si tu cherches une ambassadrice, même si je suis nulle pour faire la promotion des choses, mais si tu cherches une ambassadrice quand t'as des nouveautés, des machins, des trucs, pense à moi. Non, franchement c'était, c'est ouf, voilà, c'est ouf. Et comme je vous l'ai dit, je suis épatée. Par bon, même si moi aussi j'ai lancé mon entreprise et tout, tu vois, c'était des livres de recettes, tu vois, c'était la même chose, mais je suis épatée au niveau de la logistique et tout, les gens qui font leurs propres bougies, ce genre de petits trucs super précieux, ça m'épate. Donc chapeau bas, et j'espère de ouf que que ça va bien marcher pour toi, la création de ton entreprise. Voilà, sur ce je vais prendre vite fait une petite douche des familles et je vous dis bah plus dans le bus, sachant que demain normalement, demain ou après-demain on va aller à la piscine. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou les loulous, est-ce que tu veux faire coucou les loulous? Oui. Là tu peux y aller, hein. Là tu peux parler. Vas-y. Bah, je te cache toujours la tête. Coucou hein. Les loulous. Coucou les loulous, c'est speed. On est vendredi, j'ai été avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait en premier? La liste elle est où? En premier qu'est-ce qu'on a fait? Chercher les courses au Leclerc Drive. Chercher les courses au Leclerc Drive. Aller chercher un colis. Sauf qu'ils m'ont dit: ah mais le colis, si vous n'avez pas la pièce d'identité, je peux pas vous le donner. Leclerc Drive de Servon. Je comprends je comprends les histoires. Mais sauf que c'est la pièce d'identité de ma maman. Moi en fait, alors attends, je vous explique. Ma maman est morte. Oui, ma maman est morte. Est-ce que les... Pardon mon cœur. Attends, je parle au loulou. Sauf que du coup sur le chemin je me dis: eh merde, oui, j'ai oublié la pièce d'identité de ma mère. Du coup, je vais voir le gars. Alors, il a dû me prendre pour une folle. Je lui dis: voilà, j'ai un problème. Je dois récupérer mes courses, mais je dois récupérer un colis. Je lui dis: le colis, c'est un retour de quelqu'un qui n'est pas allé chercher sur Vinted. Je dis: par contre, j'ai pas la pièce d'identité de la personne. Je l'ai qu'en photo. Il me fait: ah non, il me faut la carte d'identité en vrai. Je fais: ok. Je lui dis: en fait, moi, les colis, je les fais pas livrer à mon nom. Parce que, vu que je fais des vidéos sur YouTube, je vais raconter ma vie. Vu que je fais des vidéos sur YouTube, je veux pas que les gens connaissent mon identité. Il me dit: bah non, il faut venir avec la personne ou alors avec la pièce d'identité de la personne. Je lui fais: ok. Et ouais, c'est ça. Et je lui dis: ouais, mais sauf que le problème, c'est que c'est à la carte d'identité de ma maman et que maman est décédée. Et il me fait: bah, je suis désolée, faut venir avec la pièce d'identité. Je fais: ok. Tu me prends pour une tarée, tu vois. Bref, on a été chercher les colis. Ensuite, on allait chercher de l'eau pour les poissons, de l'eau osmosée à Tom & Co. Pour information, elle est gratuite. Et ensuite, on est allé à Action. On a fait un petit tour à Action. J'ai acheté des choses. Et quand je suis rentrée, bon, c'était assez relou dans les magasins parce que les chouquis, là, ils n'écoutaient pas. Elle s'est enlevée toute sa vie. Ils se donnaient le mou, donc du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Franchement, c'est insupportable quand t'as des enfants un peu relous dans les magasins parce que... Mais c'est pas du tout insupportable quand je te fais des câlins? Non, c'est pas insupportable quand tu me fais des câlins, mais quand t'es dans le magasin et que tu rigoles, enfin c'est surtout ton frère, toi, ça a été encore... Mais voilà, quand ils sont en mode ouh dans le magasin, c'est chiant, c'est franchement chiant. Et le seul truc qu'il faudrait faire serait sortir du magasin en fait, mais à un moment donné il faut faire... Ah, on est aussi allé à Lidl chercher yaourt à la vanille, madame. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc du coup voilà. Et ensuite, c'était en premier? Non, c'était en deuxième. Non, en premier. Non, premier c'était le drive. C'est quoi le drive? Le Leclerc Drive, quand on a cherché les courses. Et ouais. Et donc, ouais. Et donc voilà. Et je suis rentrée à la maison, j'ai fait mon petit retour de couche. J'aurais dit: je vais plus vous entendre. Vous allez dans vos chambres ou dans le jardin. Vous faites du bruit partout dans les magasins. Si vous voulez faire du bruit, vous allez dans le jardin ou dans vos chambres. Et là, ils sont dans leur chambre. Du coup, ils sont calmes. Moi, j'ai pas fait de bruit. Ah, t'as pas fait de bruit. Et donc voilà. Donc du coup, rentrée à la maison. Rentrée à la maison. Retour de course des familles. Ah, on t'a vu. Tu sais.
sais pas te cacher correctement, je vais devoir te flouter. Retour de cours des familles, tranquillou. Et là, je viens de faire mon haul action. Comme ça, ce soir, mon mec, il invite des potes à la maison. Il y a Boris et Doudou, il y a Boris et Anto qui vont venir. Et... Anthony et comme ça, bah, je vais pouvoir faire mon montage. Même si ce soir, normalement, je mange avec Nani, avec une copine à moi. Et bah oui, ça va me faire du bien. Un câlin. Bah oui, toujours un câlin, mon amour. Toujours des câlins. Non, je... Et ouais, donc normalement je mange avec Nani, je vais pas rentrer trop tard, j'irai faire un câlin à la Chouquette quand j'entrerai. Et on sera déjà en train de dormir. Oui, mais je te ferai un câlin quand même. C'est pas juste. C'est pas juste. J'aime pas quand on est en train de dormir. Quand on peut lire une histoire comme ça, tu nous fais un câlin. Je sais, mon amour, je sais. Et t'aimes bien quand on te fait des câlins. Bah j'adore quand tu me fais des câlins et j'adore te faire des câlins, tu sais. Pourquoi t'as pas touché ma pantoufle? Tu montres où tes super pantoufles? Ouais. Elle s'est acheté des pantoufles comme ça. Hop. Non mais tu les as achetées. Oui, je te les ai payées. Elle les a choisies, je les ai payées. Et donc voilà, donc ouais, ce soir normalement je mange avec Nani. Mais mon mec va avoir du retard, donc c'est un petit peu relou. Ça va être compliqué ma Chouquette, hein. Moi je fais. Oh. Elle essaye de mettre les chaussures. Et ce soir comme ça je pourrai un petit peu. T'es trop grande. Ouais, mais tu dois pas dire le prénom de Chouki. Tu l'appelles Chouki, mais bon, c'est pas grave. Et Chouki. Non, Chouki, il est trop. C'est pas facile à dire, c'est pas facile de pas dire. Donc, bref. Donc voilà, du coup, je pourrai faire du montage, même si ça reste un retour de course et un haul action. Je sais pas si vous avez vu les méchants commentaires, la vidéo spéciale sur les méchants commentaires. Je vous parle un petit peu de tout ça, mais au moins, voilà, j'ai des vidéos d'avance parce que là, c'est vrai que pendant les vacances, là, je n'ai absolument. Enfin, si, j'ai pris un peu le temps de filmer, mais. Pas énormément de faut que je vous fasse, voilà, faut que je vous fasse par exemple ma décoration Harry Potter et tout, même si là je suis beaucoup moins fan et tout. Et mais voilà, j'ai... Est-ce que t'as acheté des jeux Harry Potter? Oui, j'ai acheté les jeux Harry Potter. Ouais, on m'a pas dit. Ouais, mais je l'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé les Kinder Joy, je sais pas quoi, là, avec Harry Potter. Lidl pour information. Toi, t'aimais trop. Ouais, j'aimais trop Harry Potter. J'aime toujours un petit peu. Donc, bref. Et moi, voilà. J'ai vu un saut avec toutes les princesses. Il y avait même Ariel. J'adore Ariel. Et voilà. Et voilà les loulous. Donc, je vous retrouve peut-être tout à l'heure avec Nani pour qu'elle vous fasse un petit coucou. Ça changera de voir ma tête un peu fatiguée. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles, la petite? Tu m'as encore plus rigolé. T'as fait rire, mon amour. Voilà. Je suis un lapin. Quand je mets ses chaussures, je suis un lapin. Chouquette, t'as pas besoin de mettre ses chaussures pour être un lapin. Avec tes petites dents de lapin là. Et tes petites moustaches. J'ai pas de moustache. Bah, si t'as de la moustache. Tchouk 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 tchouk. Petite moustache de lapin. Tchouk tchouk tchouk. Non, c'est mes cheveux. Allez, va manger tes carottes là. J'aime pas les carottes. T'aimes pas les carottes. Bref, voilà les gars. Je vous laisse parce que j'ai encore mes courses à ranger. Et Bienvenue dans un nouveau. Coucou les loulous, c'est nul. Il y a une luminosité de merdasse. C'est quoi ce truc? Et je fais ça, ça change rien. On va pas se plaindre, on a du soleil. On va pas se plaindre du tout. Ah, je suis désolée. Je suis désolée de vous finir comme ça avec le soleil, mais là je sais. J'ai mis. Il n'y a même pas le toit ouvrant et tout. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bref, on s'en fiche un peu de ma tête. Bonsoir. On s'en fiche un peu de ma tête. Le plus important c'est mes mots, même si au final j'ai pas grand chose à vous dire, mais je comptais vous prendre hier en fait, mais j'ai alors je veux pas de message sur la conduite en voiture, naninana, c'est bon, on a déjà parlé tout ça, mais ouais, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre hier. J'ai été du coup avec Nani, on a fait un restaurant, mais franchement par contre le buffalo de Cervon, J'étais deg et je vous ai même pas filmé avec Nani. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre une entrecôte. J'avais envie d'une entrecôte moelleuse, un truc de. Un bon truc avec une patate, tu vois, la grosse pomme de terre avec la sauce blanche et tout, la ciboulette là. Il n'y avait pas de patate. Et l'entrecôte, elle était pas ouf. Elle était vraiment, vraiment pas ouf. Elle était pas. Comment dire? Elle était pas. Bonjour. Elle était pas. Moelleuse, tu vois, c'était pas ouf, donc un peu déçu de la bouffe en fait. Je crois qu'on va essayer de trouver un restaurant mieux que Buffalo, parce que à chaque fois que j'y vais, je suis déçue en fait.
ils ont grave baissé en qualité. Même la salade, c'est la base, on l'attendait, tu vois. Et ben, normalement, la salade au Buffalo, elle est ouf. Limite, il vient que pour la salade. Après, au final, j'ai plus faim, tu vois. Mais ouais, elle était... Bref, déception. Après, j'ai passé un bon moment avec Nani, c'était cool. Un peu court, mais c'était cool, tu vois, c'était chouette. On a prévu de se revoir le 29 pour qu'elle me fasse des extensions de cils. Elle était trop bien parce qu'elle me dit ça tirait trop bien, t'as des grands cils, alors, tout petit cils dans l'air du tout. Mais donc voilà, le 29, après, c'est compliqué avec mon emploi du temps et tout de se caler. C'est un peu relou. Donc après, je suis rentrée, j'ai taffé un petit peu, j'ai fait un petit peu de montage. Et vers 1h30 du matin, je me suis couchée. J'ai fait une crise d'angoisse. On aime, on adore. Une crise d'angoisse vers 5h du matin. J'arrivais pas à me calmer, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'était un petit peu chiant. Je pensais à des mauvaises choses et tout. J'arrêtais pas de. Focal. Ça faisait longtemps, tiens, que j'avais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à plein de trucs un peu chelous, genre la mort, tout ça. Bref, un peu chiant. Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête un peu. Mais bon, bref. Donc voilà. Là, je vais au travail. Ça va me faire du bien, je pense, de sortir un peu de la maison. Là, j'étais en mode. J'étais pas bien à la maison. Il y avait du bruit. Enfin, c'était cool. C'était une bonne ambiance. Mais dans un autre concept, contexte par rapport à hier soir, ça aurait été un peu mieux ces quelques heures à la maison là ce matin. Mais ouais, hier, dans la nuit, ce matin, très très tôt, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment vraiment pas bien à cause d'un événement extérieur. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, j'étais pas cool. C'était pas cool. Donc j'espère que je vais me calmer, que je vais m'apaiser. J'ai pas mangé, j'ai pas faim. Ah la fille relou, j'ai pas mangé, j'ai pas faim. Donc pour ce midi, j'ai pris, vu qu'hier j'ai fait un drive en fait, pour ce midi j'ai fait un espèce de mélange de toutes les choses qui pouvaient passer. J'ai pris des carottes, j'ai pris du jambon, j'ai pris des bananes, voilà, j'ai pris des trucs un peu frais et un petit peu à l'arrache. Et voilà, bref, j'espère que la journée ça va aller, que ça va être calme. J'ai pris mon ordinateur, je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais j'ai pris mon ordinateur pour pouvoir faire le montage de ce vlog. Parce que mine de rien, il arrive demain, enfin non, il doit être demain, il doit être posté demain, autant pour moi. Donc faut que je le mette en ligne. Sinon, quoi d'autre? Donc du coup bientôt arrive une vidéo retour de course Lidl et retour de course Leclerc, plus Leclerc que Lidl. Arrive également un petit haut l'action des familles. J'ai une vidéo Chine qui devrait pas arriver aussi, pas tarder à arriver aussi, mais il me manque un petit colis en fait, parce qu'ils l'ont divisé en deux je pense, j'espère, parce que c'est des palettes de maquillage qui manquent, donc ça serait cool. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Voilà, et puis quand la rentrée va arriver et que j'aurai un petit peu plus de temps pour moi, bah, il y aura des vidéos un peu plus diverses et variées. Et merci encore pour vos messages et vos conseils par rapport aux vidéos que vous avez envie de voir. C'est marrant parce que la vidéo, mes commentaires rageux, bah, il y a des gens qui ont été chercher des anciennes vidéos, tu vois, des anciennes vidéos. Mais comme je vous l'ai dit, s'il y a des vidéos qui vous lassent et tout, allez, et que vous arrivez depuis pas très longtemps, enfin j'entends avant d'être enceinte, tu vois, allez dans ma chaîne, sur les playlists, vous avez la playlist aparté. Et dans cette playlist aparté, vous avez pas mal de trucs super sympas en fait. Moi des fois je réécoute mes vidéos, je me dis ah, j'avais fait ça, tu vois. Je trouve ça assez cool. Donc voilà, playlist aparté, et vous mettez par date de... la plus ancienne, et vous allez voir, il y a des vidéos un petit peu sympas et qui changent un peu de l'ordinaire, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a aussi une vidéo Timu qui devrait pas tarder à arriver entre guillemets, parce que voilà, faut que je fasse ma sélection, nanani nanana nanani. Les échanges avec la personne avec qui je communique, ils sont assez longs et ils mettent du temps, tu vois. Mais voilà, il y aura une vidéo qui va arriver, je pense d'ici un mois, je pense qu'elle sera là d'ici un mois, même deux vidéos Timu. Donc c'est cool. Donc aujourd'hui au taf, à part le taf, pendant ma pause, il faudrait que je fasse le montage et que je fasse ma sélection Timu. Je l'avais déjà faite, mais il y avait des articles
manquants ou des articles qui n'étaient pas conformes ou je sais pas quoi. Donc voilà, il faut que je fasse. Il faut que je fasse tout ça, les gars. Donc je vais continuer de rouler. Le mot de fin sera rouler. Le mot de fin sera rouler. J'ai chaud. J'ai chaud de ouf. Le mot de fin sera rouler. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec le mot rouler. Voilà, faites une phrase n'importe laquelle, mais comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. J'ai chaud mazette, j'ai chaud, ça va être une journée caliente. Pas dans le bon sens du terme. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça va pas boucher. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin de ce vlog. Désolée, il n'était pas très intéressant. Mais en ce moment, voilà, je suis un peu tête en l'air et j'essaye de gérer des trucs que je vais pas forcément vous en parler parce que je vais pas déblatérer toute ma vie non plus. Mais voilà, j'essaye de faire autre chose que YouTube. Et voilà, de la paperasse, du machin, des tubes, bref, des choses un peu plus perso. Et voilà, je vous parle de beaucoup de choses. C'est vrai qu'on m'avait dit que je parlais de beaucoup de choses. Mais voilà, il y a des trucs dont je parle pas forcément. Mais du coup, c'est ce qui explique mon manque de temps. Et j'ai chaud, pétard. Mon manque de temps et mon manque d'inspiration et tout, et tout. Et tout ça. Bref, en tout cas, par rapport au couple, les choses avancent doucement, mais sûrement. Donc il faut que bientôt je prenne rendez-vous chez la banquière et tout pour demander combien je pourrais en... pas que demander combien je pourrais emprunter, mais voir en fait si je peux rester sur le crédit. Voilà, faut que je prenne rendez-vous chez ma banque aussi pour essayer de gérer tout ça et que j'essaye de faire les démarches en fait pour me rapprocher au niveau de mon entreprise, pour me rapprocher un petit peu de chez moi et que je me renseigne en fait sur quelles sont les filiales de la société pour essayer de voir si je peux m'implanter dans un autre point. Ce serait cool aussi voir s'il y a ce genre de choses pas très très loin de chez moi et voir comment je peux bouger. Voilà. De toute façon, affaire à suivre. Je vous en parlerai. De toute façon, hein, je suis pas... C'est parce que j'ai un peu moins le temps de vous prendre que j'arrête YouTube et que j'ai envie d'arrêter YouTube. Et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, il faut que je commence à vous préparer les vidéos pour l'avant. Donc je vais carburer de ouf au mois de septembre. J'espère, Inch'Allah, que j'y arriverai. Voilà, de vous faire comme... ce serait la troisième année, je vous l'ai déjà dit, je sais. Mais de vous faire une vidéo tous les jours. Sur le mois de novembre, ce serait novembre, ce serait grave. Donc je vous laisse. Voilà, encore une fois, désolée pour la luminosité. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de ouf d'avoir été là, de continuer d'être là, même si mes contenus sont un peu différents depuis quelques semaines / quelques mois. Je déteste les gens qui font. et puis voilà. Bref, et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Rio Cancun Marbella, toi moi soleil ma bella, Versace Gucci Margiela, j'ai la classe comme Manny Rivera. Cigario, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.